C'est-à-dire que si on reprend les idées, 1945, le tribunal de Nuremberg, ensuite on a un plateau, la guerre froide, il ne se passe rien, et après on arrive dans les années 90, on a la guerre des Balkans, on a les guerres au Libéria, etc. La communauté internationale se dit qu'il faut faire quelque chose. On est en 1998, création du statut de Rome, qui porte création de la Cour pénale internationale. Combien parmi les 5 membres du Conseil de sécurité qui sont donc chargés d'assurer la paix autour de cette planète, combien sont-ils à avoir signé le statut de Rome ? À votre avis ? Pas tous. Tous ? Pas tous. Pas tous. Il y en a... Il y a une réponse là. Oui, on va laisser répondre notre ami. Je crois qu'il y en a 2. Bien. Bien joué. Quelles sont-elles ? Quelles sont-ils ? Pardon ? L'Amérique et la Russie. Non, malheureusement. La France et la Chine ? Non, la France, oui. La France et la Russie ? Non. La France et l'Angleterre ? Oui. Vous avez donc sur les 5 membres du Conseil de sécurité, uniquement 2 pays qui ont signé et ratifié le statut de Rome. Ça veut dire qu'ils s'engagent à promouvoir la justice internationale. Ça vous donne un petit peu quand même l'état des lieux et la situation de ces grands pays que sont la Chine, la Russie et les États-Unis et ce qu'ils pensent en fait de la justice internationale. Et votre génération, celle qui viendra après, vous devez vous battre pour que la justice internationale soit en fait le phare de l'humanité. Si ce n'est pas le cas, on ne sera jamais autour de cette planète en paix et en sécurité. Alors pour les jeunes écrivains, déjà, je leur dirais de s'amuser, parce que l'écriture, c'est... Vous voyez, l'écriture, on apprend souvent ça à l'école. Et l'école, c'est un cadre avec des règles qu'il faut respecter. Alors que quand on écrit pour soi, on peut être libre, on peut être dans la détente. Et donc s'amuser, prendre ça comme un amusement. Et puis si vous avez envie de stimuler votre écriture, de lire, d'écouter des chansons... d'écouter des textes, être curieux du slam, plein de choses. Qui sont les amis des gars? Parce qu'il est là, en face de... Oui, Stacy, y a qui? Les amis des Gabi? Y a comment? Y a qui? Armand? Y a Armand, oui. Ah, ok. Qui d'autre? Qui? Gino. On est venu pour l'interview internationale des écrivains et on a eu un tête-à-tête avec Gaël Faye et d'autres écrivains, mais principalement avec Gaël Faye parce que en ce moment, dans le calendrier scolaire, on étudie à propos d'un des livres de Gaël Faye qui est Petit Pays, et ça c'est un exemplaire qu'il nous a offert et plein d'autres qu'on va mettre à la librairie. Et aussi, on a vu l'auteur Eric qui nous a aussi passé son exemplaire qui s'appelle La traque est mon métier. Et on les a tous parlé et on les a demandé des questions et on espère que ça va nous aider dans notre parcours scolaire et que ça va nous accompagner dans nos examens et dans nos études. Nous
sommes le staff de Madame Mary International School Complex, localisé à Kibagabaga. Nous avons également notre deuxième site au niveau de Gahanga. Et aujourd'hui, c'était une occasion pour nous d'emmener nos élèves à l'Institut français du Rwanda, spécialement au Centre culturel francophone du Rwanda, dans le cadre des Journées internationales du livre francophone qui a lieu actuellement au Rwanda. Et donc, nos élèves ont dû rencontrer ces écrivains qu'ils ont l'habitude de lire afin de leur poser des questions, et que ce soit au niveau primaire ou au niveau secondaire. Ils ont posé des questions. Je pense que, d'ailleurs, avec mes collègues, nous pensons que ces opportunités-là permettent à nos élèves de pouvoir avoir de l'expérience, de pouvoir donner des évocations, pourquoi pas demain qu'ils soient de grands écrivains, et surtout de pouvoir leur aider dans leur parcours scolaire et dans leur expérience de vie. C'est pour cela que je pense qu'au nom de l'équipe aujourd'hui, nous remercions Madame Mary et le staff qui toujours fait beaucoup de choses afin de nous accompagner dans ce que nous faisons. Merci beaucoup et nous avons bénéficié de beaucoup de livres pour cette journée. Merci beaucoup.